Jojojojojo, les gars, c'est le The King XL. Comment ça va aujourd'hui, les gars? Moi, ça va super, j'ai la patate comme toujours, les amis. Et aujourd'hui, nouvel épisode, l'épisode 9 de notre série en mode carrière manager avec l'Olympique Lyonnais, les gars. Et oui, 9e épisode déjà. On s'est beaucoup amusé déjà dans les 8 épisodes d'avant. Vous avez pu voir des rebondissements, des buts de fou et aussi des déceptions de temps en temps, mais on est là en tout cas aujourd'hui. Et pour ce premier match que je vais vous présenter, nous allons affronter l'AS Saint-Etienne. Et voilà les gars, c'est le derby, c'est le moment du choc les gars. AS Saint-Etienne, on doit être au moins à la 12e journée il me semble. On est à la 13e journée les gars de Ligue 1. Donc voilà, on avance tranquillement, on est 8 novembre. Et on va aller voir tout de suite. Donc derby les gars, le match le plus important de la saison à le domicile. Ensuite on se déplacera le 21 à l'extérieur à l'OGC Nice, donc deux matchs de Ligue 1 du coup. Et ensuite on aura notre 5e match il me semble de Ligue des Champions contre le Zénith Saint-Pétersbourg. Donc voilà, c'est les phases retour les gars. On affronte le Zénith Saint-Pétersbourg, on a gagné il me semble chez eux à l'extérieur, et maintenant il va falloir se défendre chez nous, pas prendre de but. Et puis voilà, au niveau des messages, j'avais reçu aucun message. Alors joueur appelé en sélection du 12 au 18 novembre, on a Umtiti en équipe de France, pas mal, Gonalon en France, Vabela France, Fekir France et Dragoski en Pologne. Donc ça nous fait 5 internationaux, c'est plutôt cool. Les mises à jour et la réalisation de l'offre, comme nous n'avons pas reçu que 9, le Pays de Galles, c'est pas grave pour l'instant. Je ne concentre pas sur ça, on verra à partir de janvier si je prends une équipe pour la Coupe d'Europe. Enfin, on n'y est pas pour le moment, il va falloir se concentrer et jouer tout de suite ce derby les gars. Allez, on est chaud patate. Voilà, qu'on a entièrement confiance en notre équipe, nous allons nous imposer. J'y crois ici, franchement. C'est le derby, les gars, le match le plus important de la saison. Il n'y a pas de raison qu'on ne le rate pas. Qu'on le rate, je veux dire. Donc voilà, on est chaud, 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 les gars. Voilà, on va jouer en blanc à domicile. Les verts, les chiens verts. Que je respecte. Je respecte quand même. C'est une rivalité tranquille, voilà. En vert du coup, on va les laisser en vert. Alors on va mettre l'attaque Bovou, Lokavet, Fekir, Fofana, Tolisso, Sidi B, Raphaël. On va mettre les meilleurs pour ce match. C'est vraiment le match le plus important de la saison. Mais on a besoin d'ardeur quand même. Qui on a regagné, qu'on peut faire jouer. On va faire comme ça, Valbuena tant pis, hein, il est un petit peu fatigué. Bedimo aussi, Malbranque aussi. On les fera jouer au prochain match du coup, Tronc Nice. Donc, on va la jouer comme ça, c'est plutôt cool. On va faire jouer Grenier pour commencer, on verra après. Et puis voilà. Allez les gars, on est chaud patate. On se retrouve tout de suite pour cette 13e journée de Ligue 1. Le derby, le choc les gars. Allez, go. Nous sommes les Lyonnais et nous allons gagner. Allez, allez, allez les gars, on est chaud patate pour ce derby. On va la jouer très très cool, on le sent très très bien. Voilà les gars, on a 24 points, enfin on a 25 points, on a un point d'avance sur la Saint-Etienne qui a 24 points les gars. Autant vous dire que ce match de derby est crucial pour la suite de la compétition. Pour cette 14e ou 15e journée, me semble, voilà, 3 buts encaissés, la force contre la force. Donc 19 buts marqués, meilleure attaque de Ligue 1 de Saint-Etienne, meilleure défense pour nous. Ça va être un match au sommet, les gars. Allez, 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 on est chaud. Allez, allez, on va essayer d'attaquer tout de suite. Allez, 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 on est confiant, on est confiant. Oh là! Attention, attention de ne pas te faire se prendre par les comptes. Allez, Sidi B. Ah, la faute, Sidi B. C'est pas grave, c'est un derby. Il y a de l'engagement. C'est normal. Un petit carton jaune, c'est pas très grave. Hein. Ça fait de la déco, ça fait de la déco. Allez, 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 on reste concentré. Allez. Allez, dégage-moi ça. Allez, Fofana. Fofana, qui va pas aller très loin tout seul. Allez, on temporise, on temporise. On écarte. Fekir, Fekir, Fekir la vista de Fekir, Fekir. Ah, je perds la balle. Allez, 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 il faut rien lâcher. Allez, allez, allez. C'est bientôt la mi-temps en plus. Voilà, fin de cette première période, les gars. Bah, on aura plutôt bien joué, mais sans plus. Va falloir se réveiller en deuxième mi-temps. 3 tirs cadrés pour nous, 2 pour eux. Allez, 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 allez.
Et pas lyonnais. Et qui ne saute pas. Allez, 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 Raphaël, Raphaël, Raphaël. Ah, il a contré. Allez, allez, pas toi, Raphaël. Ah, allez, 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 allez. On va faire 2-3 petits changements. On va faire entrer Dybala. On va le mettre à gauche, le gaucher. On va laisser Lacazette. On va faire entrer Malbranque, MOC. On va laisser un peu d'expérience, quoi. Et on va faire entrer. Bon, on va laisser comme ça. Allez, allez, allez. Restons concentrés. 0-0, c'est serré, 79e minute de jeu. C'est le moment de ne pas prendre de but et d'en mettre un. Attention, la claquette de Lopez. Anthony, toujours impérial. Allez, attention à ce corner. Les corners, je les connais. Méfiance, méfiance. Moment de bien défendre. Allez, allez, le gardien. Ah, mon gardien s'est trouvé. Allez, 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 faut essayer de marquer, ça va être chaud. Déjà qu'on défend beaucoup là. Allez, 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 ouh là là, on a eu chaud. Allez, 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 s'il y aurait pu un petit contre encore. Allez, allez, joue vite Lopez, joue vite, joue vite, joue vite, joue vite, joue vite. Allez, 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 allez. Ah putain. On a perdu le derby les gars. C'était serré, de toute façon, un partout aurait été mérité, je pense, le match nul. Mais bon, ils ont marqué sur corner à la 80e minute. Ils ont été plus réalistes. Et puis voilà, les gars. Donc voilà, les gars, on a perdu 1-0. Très dure victoire, autant on s'est donné dans ce derby. Franchement, on s'est battu comme des lions enragés. On a perdu 1-0 sur le plus petit des scores avec un but à la fin. Ça fait mal, mais bon, va falloir se relever les gars. On est 3ème, l'AS Saint-Etienne est passé devant nous. Et Rennes a pris le large de 5 points les gars. Mais rien n'est terminé dans ce match. Mota a le mal du pays les gars. Ça c'est son dos. On a reçu deux petits messages, faut se ressaisir. Kurzawa, Kurzuma, je veux dire Kurzawa. Bonjour, j'apprécie le rôle qu'il est le mien dans le club. Je vais essayer de toujours donner le meilleur de moi-même. Merci de m'accorder autant de jeux. Tu connais, t'as ta place, de toute façon. Il n'y a pas photo. Et puis voilà, les gars. Bon, bah, on va passer tout de suite à la progression des joueurs. Donc voilà, on va faire un petit exercice tranquille. Et après, on se retrouvera pour le deuxième match, les gars. On est chaud patate. Donc voilà les gars, on se retrouve pour l'entraînement, on a choisi 5 joueurs qui sont pratiquement chacun à un niveau supérieur. Allez, on va se faire plaisir dans cette petite entraînement. On commence tout de suite avec Dragoski les gars, notre petit Dragoski recruté cette année qu'on va essayer de faire monter avec l'arrêt des pénaltys, avec un 74 de placement, 78 de réflexe et 70 de plongeon les gars. Allez, allez, on va essayer de se concentrer. Petite note de A, ça serait franchement possible, on est face à Dybala les gars. Hop là, cadeau. En plus, il est grand, ça tombe bien. Allez, allez, allez. Tranquillement pour nous. Oh, tranquille, tranquille. En même temps, on voit la cible, donc il n'y a rien de plus facile. Allez, 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 allez. Dragosco, Dragosco. Hop là, petit arrêt tranquille. Ça va le former, ça va lui faire du bien. Bon là, il va falloir se concentrer. Ouh, il a tiré au-dessus. On a eu chaud, hein. La concentration. Il a tiré au milieu. Il va tirer à droite. Ah, contre-pied. Allez, 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 celle-là, on peut la voir. Pas tiré deux fois au même endroit. Oh, on était parti du bon côté. C'est pas grave, il a une note de là, de A. De là. Passe au joueur suivant, Mathieu Gorgelin, pour le même exercice, les gars. C'est pas le même niveau au niveau du placement, du réflexe et du plongeon. C'est pas pour rien que Gorgelin est 3ème gardien maintenant. Maintenant, vous comprenez un peu mieux pourquoi. 25 ans et Dragoski 17 ans, déjà une grosse marge de progression. Je vous le dis. Ouh, on a eu chaud. Hein. Dybala, là, elle a voulu nous piéger. Hein. Allez, allez, allez. Ça, c'est pour nous. Wow. N'abandonnez pas. On va pas abandonner. Hein, Gorjo. Voilà. Ah, il l'a pris. Oh là là. Il est pas très bon ce joueur. Hein. Pour nous, ça. Voilà. Oh, il est mauvais, lui. Oh, on est encore plus mauvais que lui.
Ah bah voilà, c'est la dure loi, on va pas réessayer, on va passer au joueur suivant, tant pis pour lui, il avait qu'à faire le taf. On passe maintenant à Paulo Dybala, les gars, frappe de loin, regardez-moi sa reprise de volée, 82 puissance de frappe, 74, tir de loin, 79. Allez, c'est parti les gars. On essaie de se faire plaisir. S'il pouvait mettre les balles un peu mieux, ce serait plutôt cool. Waouh, ils sont sérieux. Allez, encore. Pouah, missile téléguidé qui vient de guider là. Pouh. Allez, la dernière. Pour la route. Tranquille. Pouh, pleine lucarne celle-là. Magnifique Dybala, note de A. Le mec est monstrueux. Maintenant, il faudra qu'il le monte sur le terrain. On passe maintenant à Mats Gonam, mon capitaine Max, les gars, pour les petits tacles. 85 de sens tactique et 87 de tac debout. Le mec est là. Allez, on passe par capitaine maintenant. Allez, allez, 4 sur 4. Fou, 4 sur 4, c'est ça, Capitaine Max. Jolie note de B pour Capitaine Max. Il le mérite. Allez, notre dernier joueur, Yanga Mboa. C'est pas le joueur que je préfère, mais il va nous montrer ses capacités en défense en 1 contre 1, les gars. Allez, on va voir la beauté de cet axe, soi-disant. Allez, Yanga, à toi de pas nous décevoir. En 1 contre 1. Ah, allez, encore de l'attente, du temps là. Pour nous, celui-là. Allez, Yanga. On l'a. Pouh, allez, Yanga. Ok, moi, tant pis. C'est pour nous, hein. Pour le dernier, pour le dernier. Ouh, on s'est fait effacer, on s'est fait effacer, on rattrape. Heureusement qu'il s'est pas tiré, hein. Allez, allez, oh oui, super. Bon, c'est pas top, mais c'est déjà ça. Allez, on voit les résultats, les gars. On a 10 balas qui montent, les gars. Maintenant, il est à 80, le petit 10 balas. Dragoski qui monte également. Ça nous fait des notes de A, de F, de B et de D. Meilleur de la classe, Dragoski et Dybala, les gars. Allez, on se retrouve tout de suite pour le match, les gars. On est chaud patate. Voilà, les gars. Jour de match, les gars. On est le 21 novembre. On a eu plus d'une semaine et demie pour se reposer, les gars. Les joueurs, normalement, doivent être en forme. On a 2-3 petits messages. Mise à jour en France, c'est pas pour l'instant. Résiliation de l'offre avec l'Équateur. On n'a pas répondu. Pareil pour l'Allemagne. Et poste de sélectionneur du Portugal. On va réfléchir. Voir le contrat. On va attendre un peu. L'Inde, on va rejeter. Et on va rejeter la Nouvelle-Zélande. Et voilà. Allez les gars, OGC Nice les gars. L'OGC Nice est tout simplement 8ème du classement avec 20 points. On a quand même 25 points d'avance sur eux. On a 25 points. Il y a moyen de rattraper la Saint-Etienne et Rennes. Attendre un faux pas de Saint-Etienne et Rennes. Donc les gars, faut continuer. Faut gagner ce match-là. Faut se relever de notre défaite pendant le derby qui nous a fait très très mal, les gars. Allez, allez, allez. On se concentre tout de suite. On joue à l'extérieur. On a montré de bonnes choses à l'extérieur ces derniers matchs. À nous de confirmer. Tous nos joueurs sont en forme. On va mettre les plus forts sur le terrain, les gars. Tolisso. Gonalon. Fofana qui est en très grande forme. Il faut le dire. J'ai envie de faire jouer Valbuena aujourd'hui. À la place de Fekir, tiens. On va faire jouer Jallet. Pff, il est pas très bien. Bédimon non plus. Mais on va leur donner leur chance. Tiens, vous savez quoi. Voilà. Kurzuma. On va faire jouer Yanga, tiens. On va mettre... voilà, Kurzuma, Morel, on va le faire jouer. Darder. Jordan Ferry qui va beaucoup mieux. On va le mettre sur le banc des Lamplacente. Fekir, Zuma, Morel, Grenier, Dybala.
Cornet. On va mettre Cornet sur le. On va pas faire jouer Cornet. Et on va laisser le resto au repos pour ce match-là. On va la jouer comme ça, les gars, tranquillement. Allez, les gars, c'est parti. Il faut qu'on gagne ce match. On y croit. Allez, go! Ah là là, les matchs pour la 14e journée à l'extérieur à Nice, les gars, au grand stade de Nice. Va falloir faire le taf, on est chaud, on y croit. La Lacazette est prêt et on va se réveiller. Le réveil du tigre. D'ailleurs, j'espère Dybala, je le ferai rentrer. J'espère qu'il mettra son but. On va tout faire pour. En tout cas, en attendant, on est chaud. Allez, les gars. Allez, 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 allez. Tolisso, l'espace, c'est pour Bédimo. Bédimonstre, la faute sur Bédimonstre, monsieur l'arbitre, évidemment. Allez, allez, Tolisso qui écarte pour Lacazette. Lacazette, Lacazette. Je trouve Nive très très faible en défense. Il y a vraiment moyen de faire quelque chose. On va essayer de le faire. Allez, Lacazette, l'enrouler pour Bovou. Bovou la tête. Oh là là. Bovou la tête et la claquette du gardien. On aurait pu marquer sur cette occasion de but. Allez, allez, Lacazette. Lacazette de la tête. Encore le gardien qui l'arrête. On continue à mettre la pression sur les cages de Nice. Allez, 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 allez. Valbuena la baguette. Valbuena pour Bovou. Bovou de la tête. Allez, Fofana. Fofana. Qui contrôle, qui tire. Ça passe juste à côté. Allez, les gars, on peut le faire. On peut le faire. Allez. Gonalon. Gonalon qui écarte Bovou. Bovou l'accélération. Bovou la vitesse. Air Bovou. Air Bovou qui efface. Hop là, qui revient sur son pied. Bovou qui rentre dans l'axe. Bovou. Bovou qui écarte pour. Ah, le gardien qui l'esquive. Valbuena. Allez, Valbuena. Qui remet. Ah, on perd la balle. Attention, attention. Attention, bien défendre, c'est ça, Bédimonstre. Allez, Bédimonstre, le physique de Bédimonstre. Tolisso, Tolisso qui écarte. Allez, les gars, Lacazette qui revient. Valbuena, Valbuena tout seul, qui part. Allez, Valbuena, allez, 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 Valbuena, allez, allez. Ça fait plaisir le petit but de Valbuena. Valbuena qui fait un match top pour l'instant. Petite occasion de but pour Valbuena. Petit but tranquille. Il mérite son but, il mérite, faut le dire. Allez, allez, allez. On va essayer de se concentrer. Allez, deuxième mi-temps, les gars. Va falloir essayer de ne pas prendre de but. On est à l'extérieur. Va falloir tenir le score. Attention, attention. Lopez. Super sortie de Lopez. Bravo. Double arrêt de Lopez. Enfin, sortie plus arrêt plus sortie, les gars. Je m'emmène les pinceaux. Allez, allez, allez. On va essayer de contrer. Deux, trois petits changements vite fait. On va donner, donc, comme je vous ai dit, la chance à Dybala, les gars. On va faire rentrer Ferré également qui revient de blessure. Dybala, on va le faire jouer donc à la place de Herbovou. Voilà. On va essayer de laisser Lacazette. Il fait un très bon match. Fekir, on va le mettre à la place de Lacazette. Vous savez quoi, on va faire une attaque Dybala Fekir, ça va être mignon mignon. Assez technique, assez jeune. Allez, Dybala. Dybala qui écarte sur Valbuena. Valbuena qui fait un match top franchement. Allez Valbuena. Valbuena qui met sur du... Oh là là, Dybala, je vous avais dit coaching gagnant. Je le sentais bien dans les petits exercices tout à l'heure. Il nous a fait le taf. Voilà, Dybala, on va essayer de ne pas se prendre de but. On mène 2-0, essayer de garder notre avance. Et pourquoi pas en mettre un troisième. Dybala qui part tout seul. Dybala, Dybala, allez, Dybala. Allez, 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 il faut résister physiquement. La faute, monsieur l'arbitre, il y a faute. Carton rouge tout de suite. Bien sûr, monsieur l'arbitre, c'est rouge. Dernier défenseur en plus. On allait au but, c'est une action de but et rouge. Ben, c'est logique, évidemment. Évidemment. Allez, allez, on va essayer de faire tirer pas Dybala. On va tirer Valbuena. Ouais, Valbuena qui fait un match top. Une passe D, un but. Pourquoi pas mettre un deuxième but. Allez, allez, enfin, deux passes D. Allez, allez, allez. Bah voilà, 3 buts les gars, franchement. Magnifique coup franc de Valbuena, il nous a étalé de sa classe. Une passe D, un but il me semble. Donc Bovou qui a mis également son but. Oh ça fait plaisir. Voilà, 3-0 à l'extérieur les gars, à Nice. Ça fait 3-0. Les 3 points font plaisir là. On va avoir les occasions. Petit geste technique de Tolisso. Hop là. C'était pas mal du tout.
Le petit raté de... Ben Arfan, on l'a pas trop vu dans ce match-là. Le but de Valbuena, les gars. J'ai pas dit, j'ai parlé de Bovu, mais but de Valbuena. Doublé de Valbuena, plus passe décisive. Valbuena va faire un match au sommet, les gars. Donc voilà, voilà. Là, c'est Valbuena pour la passe D pour Dybala de la tête. Magnifique entrée de Dybala. Voilà. Et le troisième but, c'est le coup franc. Bon, ça, c'est l'action du rouge, juste avant le coup franc. Voilà, pour ceux qui n'auraient pas vu. Et Mathieu Valbuena qui met un coup franc somptueux dans la lucarne. Hop là, enfin la lucarne, ouais non, mais sur le côté du gardien battu. Donc voilà les gars, 3-0 les gars, on a mis une raclée à Nice chez eux, on les a fumés. Valbuena nous a sorti un match de malade, 2 buts, 1 passe décisive, le mec est homme du match et nous a étalé de toute sa classe, franchement, il n'y a pas photo. Donc voilà les gars, en tout cas Valbuena a fait le taf et on a gagné les 3 points, on verra de toute façon le classement à la fin de cet épisode. Les gars, on retourne maintenant à la Ligue des Champions, les gars, on est deuxième de notre groupe avec 7 points. C'est le 5e match, bientôt fini la Ligue des Champions pour nous. On peut gagner, on peut... C'est vraiment sérieux, regardez, on est les 3 devant. Premier Valence avec 8 points, OL 7 points et la Gantoise 6 points. Donc autant vous dire que c'est très très serré, que ça va jouer à rien. On va jouer donc le Zénith Saint-Pétersbourg, du coup, qui a un petit point et qui, je pense, va être éliminé, même si statistiquement, ce n'est pas encore officiel. Mandanda se concentre sur son football. On a eu un petit message conférence de presse, on va la faire. Les gars, on se retrouve donc pour le match, les gars. Alors voilà, en pro au mal du pays, Mota serait sur le départ. On a reçu quelques petits messages. Donc la conférence de presse, on va parler du dernier match, on va louer le dernier match. Demande de transfert, coach, comme je vous ai dit récemment, je n'ai toujours pas assez de temps de jeu. Je souhaite donc être placé sur la liste des transferts pour aller dans un club où je pourrais jouer régulièrement. Dragoski, tu sais quoi? Tu sais quoi? Je vais te faire jouer, mon pote. Voilà. Mais Lopez, il est trop fort. Il est trop fort. Il est trop fort. Mais, vas-y. C'est quoi? Allez, Dragoski, titulaire. Voilà. 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 On a dit Dragoski, titulaire, les gars. Mais je veux pas qu'il parte. Et lui, il est relou. Voilà, il faut le dire qu'il est relou. Enfin bref, on va jouer tout de suite ce match, les gars. On est chaud patate, chaud bouillant. On joue à domicile, les gars. On reçoit le Zénith. Il faut qu'on gagne ce match absolument. On sort d'un match vraiment plein. Nous qui ne mettions pas beaucoup de buts en championnat, on a mis 3 buts. Donc voilà les gars, en tout cas, on va mettre Valbuena. On va faire rentrer Valbuena à la mi-temps. La casette, on va le faire jouer. On va mettre Dybala qui sort d'un très bon match. Voilà, on va faire la on va donner notre confiance à Dybala. Dragoski, on va le mettre en confiance. Sidi Bébé, Dimo, Zuma, Raphaël, Jallet... Ouais. Commence à avoir des blessés. On va mettre Malbranque sur le banc. Ardeur, ça va pas, c'est pas la forme. Hein. Ouais, Ferry. À place de. On va mettre. On va faire jouer Valbuena quand même. Regagner sur le banc. On a pas de défenseur, que des milieux et des buteurs. La musique et l'ambiance, on va être d'ardeur. Allez. Voilà les gars, on est chaud patate et on va gagner ce match, on y croit. Allez, allez, allez les gars. Cinquième journée, Ligue des Champions les gars. OL, Olympique Lyonnais, Zénith Saint-Pétersbourg. C'est parti les gars. Allez les gars, 5e journée de Ligue des Champions, on est concentré, on est très chaud les gars. Voilà, formation 4-4-2 les gars en losange et on va faire le taf, tronc le Zénith à domicile. Allez, on y croit, on est deuxième, on peut être premier, faut gagner ce match, au minimum faire match nul mais ne pas perdre, absolument pas. Attention! Allez Dragoski, montre-nous que tu mérites ta deuxième place de gardien, que tu peux remplacer Lopez, voilà là 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 là. Ah, il fait plaisir ce petit but de Fekir. Il fait plaisir, faut le dire, faut le dire.
1-0 pour nous les gars, voilà, ça, on ne pouvait pas mieux commencer ce match qu'un but de Fekir. Allez, attention de ne pas se prendre deux buts, surtout après la mauvaise relance de Dragoski, il n'y avait personne dans les cages, il a raté. Heureusement les gars. Putain, Zenit ils sont pas mauvais, jusqu'au dernier du classement, alors qu'en vrai, en Ligue des Champions, ils ont terminé premier avec que des victoires. Enfin, une défaite, il me semble, tronque la gantoise. Enfin bref, on s'en fout, là on est concentré, on a fait une petite faute juste avant la mi-temps, il faut qu'on garde le score, on maintienne ce score. Attention! Mais je crois que c'est notre joueur qui l'a mis sur la barre. Il faudra que je revoie ça, mais je crois que c'est nous. On allait mettre contre notre camp. Un dernier but en plus. On a eu chaud. Allez, dégagez-moi ça. Et il joue technique. Attention. Joli décalage. Super. Allez. Concentration. Attention. Fofana. Voilà là, Fofana dans ses dribbles. Allez, 1-0 à la mi-temps, les gars. Joli but de Nabil Fekir. Vous pouvez voir. 0-0 de l'autre côté dans l'autre pelouse. Allez. Deuxième mi-temps, restons concentrés. Ouais, corner, voilà. Super Gonalon, super Max, capitaine Max toujours au top. Attention corner. Attention. Non ! Putain ! Putain, on s'est pris ce but. Un partout les gars, bon. Faut pas qu'on se prenne un deuxième but. On se fait dominer là dans cette deuxième période. Allez. Attention Dragoski encore. Autant dire que sur le coup franc, c'est le corner, c'était pas de sa faute. Faut dire la vérité. Enfin bref, ça fait un partout. Il y avait moyen de faire mieux dans ce match. Non, il y avait moyen. Mais on fait un partout. On prend le point en espérant que de l'autre côté, il y ait une défaite d'une des deux équipes. Je pencherai plus pour la défaite de la Gantoise. Ça nous permettrait de rester deuxième. La Gantoise a un point de moins que nous. Donc, pour avoir deux points ou trois points d'avance. Je crois qu'on a deux points d'avance sur eux même. Donc, on pourrait avoir trois points d'avance. On pourrait avoir le joli but de Fekir ainsi que le but de Zuba. Bon, là, c'était la tête où on a fallu marquer contre notre camp du coup. Et là, c'est le but de Zuba. Grosse tête de Zuba et but. Ça fait un partout du coup. Bon voilà les gars, va falloir se ressaisir. Mais bon, 6ème journée de Ligue des Champions. On va voir comment on est. Donc voilà les gars, on a gagné. Enfin on a gagné, on a fait un match nul. Plutôt un partout les gars. On aurait pu faire mieux dans ce match. Je pense, il y avait quelque chose de mieux à faire, je trouve. Mais bon c'est comme ça, le score est là. On va aller voir tout de suite donc le tableau. Déjà pour commencer du championnat, on a fait donc deux matchs. On a fait un match Tronc Saint-Etienne qu'on a perdu 1-0 chez nous, alors qu'on a dominé quand même le match. C'était serré, c'est vrai. Mais voilà, donc Saint-Etienne a pris du coup la deuxième place devant nous. Mais nous, on est deuxième, les gars, avec 3ème avec 28 points. On est à 2 points de Saint-Etienne et à 3 points de Rennes qui a perdu. Voilà, il a perdu. Donc on est vraiment. Vraiment, les trois premiers, on est loin du 4e et du 5e, c'est-à-dire Reims et Paris. Paris qui est moyen, vraiment. Ils ont 23, 28, 2 points. On en a 28, ça a 31 déjà, là. Donc, on prend le large, les gars. On a déjà fait 14 journées, les gars. C'est plutôt pas mal. Et donc, on est deuxième, les gars, avec 8 points. Donc, Valence a gagné, tronque la Gantoise, si je comprends bien. La Gantoise a 6 points. Et Valence à 11 points. Valence est donc sûr d'être qualifié. 8, 9, 10, 11. Mais pas premier. Donc voilà, il nous suffirait juste d'un nul pour se qualifier pour les 8e de finale de Ligue des Champions, les gars. Mais on peut encore arracher la première place. Sait-on jamais. Même si à la différence de but, ça risque d'être très compliqué. Donc voilà, les gars. Pour finir ce mois de novembre, on ira donc on jouera à domicile Tronc Montpellier, les gars. Voilà. L'Héros Sport Montpellier. Ensuite, au mois de décembre, on fera encore un match du championnat. Ce sera la 16e journée, il me semble, à l'extérieur au FC Nantes, les gars. Les Canaries, voilà. Et on finira par notre dernier match de Ligue des Champions, les gars, face à Valence, les gars. Je ne sais pas si c'est à domicile ou à l'extérieur, mais c'est un match très important pour. Aller en Ligue des Champions, les gars. Enfin, on est déjà en Ligue des Champions. Être deuxième de notre poule pour aller en 8e de finale. À première place, ça risque d'être compliqué. Il faut gagner 4-0, il me semble. Mais sait-on jamais. Enfin, voilà, les gars. Au niveau des stats, on verra tout ça la prochaine fois. En tout cas, j'espère que cette vidéo, cet nouvel épisode, ce 9e épisode de notre carrière manager avec l'Olympique Lyonnais, les gars, vous aura plu. Moi, je prends toujours autant plaisir à partager tout cela avec vous. The King serait mort avec joie à la victoire passée, les gars. Et c'est vrai qu'on a gagné un beau match face
à Nice, les gars. On s'est plutôt pas mal débrouillé. Donc voilà. N'hésitez pas à laisser des commentaires, les gars, à dire ce que vous en pensez, faire tourner mes vidéos, me suivre sur Facebook, sur Twitter, les liens dans la description, les gars. C'était le The King XL, au plaisir. Allez, peace out, les gars.